Alors Elena, avec énormément de mix-up, je crois en mid, hein. En mid sur les points, tu peux changer de stance, très très difficile. Beman, tu feras croire qu'un joueur chope intéressant avec des esquives chope totalement pertinentes. En tout cas, c'était le cas dans 2 4, on va voir si ça n'a pas trop changé. Et si le plan de jeu a-t-il changé dans 2 5? C'est la même chose, c'est parfois moi je comprends ce qui se passe. Allez voilà, Laura qui joue Elena pour l'instant tout de suite avec le long qui est trouvé. Regardez, le but c'est de mettre, voyez, on stun, et une fois que l'adversaire est en stun, il va devoir choisir quel contre faire, quel carte mettre, sinon c'est combo garanti. Donc si vous voulez, l'idée c'est de frapper son adversaire, de le mettre à plusieurs niveaux de stun et à la fin de mettre un launcher qui va passer, qui ne va pas être contré, pour pouvoir envoyer un bon combo. Alors voilà, c'était pour l'explication rapide. Pour l'instant, Victor qui a déjà moins l'avantage, mais attention évidemment au wall hit. Victor, tu prends le bloc sur positif, là c'est dans la garde. Victor, en difficulté, Laura. Laura qui prend le passage à niveau. Voilà, pour l'instant, Laura, voilà, Laura qui presse, elle est pressée. Ça c'est le lot qui a trouvé la chape avec chape dans le mur. Pour l'instant, Victor, voilà, qui fait la chape du commando fuyard, la Steven Seagal qui est complètement trouvée.
plaisir. Ça ferait aussi extrêmement plaisir de voir Laura remporter ce Stunfest à Vuoa et mettre à mal notre manager hollandais. Quoi qu'il en soit, Elena contre Kokoro en deux matchs gagnants, deux gagnants, Laura. C'est parti, grande finale loser bracket de Tudor Relève 5 sur. Shuraku contre Laura, c'est Elena contre le Kokoro sur le stage du cirque. Et tout de suite, c'est commencé par le. Je crois que c'est le Don't Be Fair, quelque chose comme ça. Pour l'instant, voilà! Le contre tout de suite trouvé sur le dos d'Elena. Shuraku, il plaisante pas. Voilà pour l'instant. Kokoro, voilà. Pour l'instant, Elena. Laura tire bien. Laura, il prend le wake encore. Le contre, il contre, pas assez vite d'arche. Et évidemment, c'est contré dans la counter throw. C'est bien joué! Vas-y, pas de problème. Alors, peut-être un coup de derpic, peut-être un ayaté du précipice, ou un jet-li du Bermuda. Mais non, il choisit évidemment le perso pas du tout craqué, le perso pas du tout top tier, Alpha. Voilà, le surpote du jeu. On m'a dit c'est violent, c'est n'importe quoi. C'est ce qu'on va découvrir. En tout cas, Alpha, voilà, contre Elena. Mais pour l'instant, Laura qui est toujours mise en sortie. Mais qu'est-ce qu'elle joue bien? Elle peut gagner cette grande finale en jouant comme ça. Laura, voilà, c'est presque d'envure. Pour l'instant, Shaw aurait dû garder son perso. Il est totalement distribué. Le coca, il s'en sort pas. Il ramasse encore son elle voit tout. Dans cette finale loser, attention le mur, allez, ça va manger, et c'est parti pour une séquence peinture murale, peinture champagne, voilà, le jungle qui repart dans le temps, attention à la pression, c'est pas grave, l'Alpha, voilà, qui trouve, qu'est-ce que c'est que ça, pour l'instant, allez, voilà, encore cette chope bizarre trouvée par là. Le Hitman Max trouvé, mais c'est un peu loin pour enchaîner derrière. Laura, qui se laisse pas désabuser, c'est bien joué de la part de Shaw, attention, et la chope, mais j'allais dire attention à la chope, mais j'ai trouvé, c'est dans le mur, ça garde le pressing, et donc ça ne faut pas regarder le pressing, attention dans le mur, très bien joué de la part de Shaw, qui bloque Lou, mais qui ne finit pas comme il faudrait. Laura, qui roule à grave un peu vide, après cette baissée pour tenter un contre Lou, encore ce contre Lou, ça va lui coûter cher, elle ramasse vite sur vite, elle trouve le coup, c'est bien joué. Shaw qui revient en grande forme avec sa Alpha, ça c'est bien joué, oh là là, tout de suite. Tournée et voilà, ce coup de Kasumi qui passe pour la salle à Shaw, pas trouvé. Le contre de pas est trouvé là. Le hold encore, le hold téléporte à la Kasumi, ça fait tellement du bien. Là il revient très fort et ramasse partout, il a eu raison de counter pick. Est-ce que Laura peut le faire? Allez Laura, faut pas lâcher, un match partout, il y a une place pour être deuxième du tournoi, une place en grande finale. Est-ce que vous gardez, est-ce que vous changez de route, de niveau? C'est à vous de décider, hein. C'est pas... Vous faites ce que vous voulez. C'est à vous.
Derrière, en général, il y avait des corps avec la chose spéciale. Il va se trouver dans un...
J'ai entendu 3-0 en mode Barça-Bayern. On espère que ça va pas finir comme ça. Pour l'instant, c'est bloqué et puni. Oh là là, qu'est-ce que c'est bien joué. Et là, il trouve la chape. Il fait avec un petit demi-cercle là pour faire mettre 80 dégâts. En plus, avec le coup de cœur, ça a dû arracher la barre. Oh là 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 là, dans le sens qu'elle tord. Oh, bien joué, voilà, ce contre spécial. Mais c'est pas grave, il va durer avec ça. Il s'en fout. Oh là là. Je raconte à qui je viens, encore avec ça, un PNP, il faudrait les bloquer.
He was in danger in the last match. Last match was hard. What made the difference between you two? Three old. So you have a nice counter in the last match. It wasn't working out the way I played, so I changed my style. It worked. You have just a little word for the French audience. If you don't play DOA, start playing DOA. It's a very, very good game. Vous voulez vous faire venir terminer par la machine, notre grand joueur hollandais, jouez au DOA 5, et comme ça vous aurez la chance de participer à des matchs aussi passionnants. On peut encore l'applaudir à Marc qui remporte ce tournoi du Stade Suisse de Ténor à la 5, un grand joueur. Quatre. Et comme Malek et Zouzou le disent, oh my brother, testify!